Salut les gens, c'est Tardarine, je suis en compagnie de Slan, Broudaf et le Cygne Noir. Bonsoir messieurs, belle reprise, bonne année. Et bonne année, bonne ouais, reprise. Bonne année. Et bonne année. Re-bonne année alors. On l'aura dit il y a longtemps quand même. Ah oui, on l'aura dit, mais vu qu'on nous, on est sur une nouvelle session de tournage. La première session de tournage. Une dernière session de tournage. Hein. Ça, voilà. On voudrait pas être triste, mais on a décidé de vous laisser encore deux épisodes. Ce spoil. Alors, Broudaf, quel est ton objectif pour ces deux derniers épisodes? Oh, bah, continuer mes conquêtes. Ah, bah voilà, il y en a conduit sur la planche. Hein. Et toi, Ardarin? Alors, moi, ça va être de casser convertir même des gens à l'Est. Alors, si tout va bien, la Corée devrait y passer, une partie de la Chine et, s'il le gère, peut-être un bout du Japon. Donc, en gros, tu veux péter la tronche des Chinois? Oui, c'est ce que je voulais dire avec mon jeu de mots un peu raciste du début. C'est raciste. Et toi, tu veux exterminer les Amérindiens, Vinland? Ah non, moi je ne les extermine pas. je les amène c'est en mon pire. Sein. C'est encore pire. Non, bah moi effectivement, bon. Et comme on disait, j'ai plus grand chose à faire de toute façon en Europe ou autre, parce que maintenant on est tout au contact. Je suis au contact que de vous. Sauf éventuellement les Pays-Bas, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller chercher les Pays-Bas, je ne sais pas. Donc, on va essayer d'aller taper sur la France, voilà. Et moi, c'est pareil, je ne suis pas du tout un état fasciste, puisque je conquiers tout ce que je peux. La France, c'est une PU déjà, hein. Oui. Ouais, mais la France a pris l'Alaska, mais... Or l'Alaska est à moi. non, ça n'a jamais été ça, l'Alaska, toi. Hop, je crois que j'ai relâché le Canada. Je crois que t'as relâché la pause, très bien. Non. Toute l'Amérique du Nord, c'est à moi. On va vous laisser négocier ou je ne sais pas. Ouais, surtout que l'Alaska, tu la touches même pour... Ah, mais je m'approche, t'inquiète pas. J'y travaille. Mm-hmm. Bon. Quand est-ce que je récupère un diplomate, moi? Ça y est, hop. Alors, mes armées, est-ce qu'elles se mettent en place? Ça avance, parce que là, je vais me faire une jolie petite guerre contre la Corée et le Yue. Moi, je continue à avoir des rebelles qui pop un petit peu partout, principalement dû au fait que je suis toujours à 158 de surexpansion. Pas fois rien. Et d'ailleurs, tu nous as pas dit c'est quoi, toi, ton objectif, Slan? Moi, je l'annonce pas. Vous faire chier. Pas pour nous faire voilà, chier. Voilà, je m'en doutais. Juste pour c'est nous évident faire chier. Vous voulez nous péter les. Uniquement. Faire le petit con, emmerder mon. Pour le plaisir de nous faire chier. Pour le plaisir. Clairement, ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je vois. Bah pourquoi la Mexique Du coup, arrêtez d'aller voir la vue de Slan et aller voir nos vues plutôt. Ce qui ne va rien faire d'intéressant. C'est presque vrai ce que tu dis. Oh la vache, j'ai droit ça à 10 plus... commandants autorisés. Putain. Ça sera clairement plus rigolo sur vos vues. Moi, je suis pas sûr. J'avoue que. Hop là, taxons le cuivre. Moi, je rampe vers l'Alaska petit à petit, quoi, mais. Les dépendances, c'est fait. Alors, quoi, par rapport à ce que j'ai à faire, ça joue tellement vite. C'est une catastrophe. J'avoue que... C'était rapide, tout ça. On n'a plus l'habitude. Ouais, la Louisiane va jusqu'ici. Sympathie pour les séparatistes, non mais dis donc. Voilà qui n'est pas très sympathique. Hein. Pour les non-séparatistes. Hein. Oh là 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 là, mais c'est une catastrophe. Je m'en sors tellement pas. Hop. Pourquoi il me tapait lui? La ligue commerciale de Cebu a été dissoute. C'est encore Slan, ça. Non. Mes ligues ne sont pas dissoutes. Je ne dissolve pas.
Non, tu dissolves celle des autres. Je le veux pas. Oui, tout à fait, Erdarine. Tout à fait, tout à fait. Ouais, je sais, marrant parce que tu arrives à faire cette même blague avec tout ce qu'on dit, quoi, en fait. Oui, bah, oui, oui. Surtout, il ça, arrive ça à la faire avec aplomb à chaque nouvel épisode, quoi. C'est ça qui est. Et ça, on appelle ça du talent. C'est un truc que vous pouvez pas comprendre, vous en avez pas. Si, si. Non, pardon, oh là, bien là, sûr là, que là. Non. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Comment ça balance? C'est clair. Bah écoutez, j'ai envie de dire. On la référence amis, hein. Culturelle, vous l'aviez pas. Non, non. Yep. Voilà, je n'ai que ça à dire. Je n'ai que ça à dire. D'ailleurs, arrêtez sur YouTube de dire à tout le monde que vous aimez le fait que Ardarine soit cultivé et tout. Ça nous saoule. Bah moi je suis obligé de m'excuser hein, pour les viewers qui veulent absolument qui voulaient absolument que je prenne le Texas et malheureusement Qu'est-ce qui t'empêche de le prendre? Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Non, ouais, t'as raison. Parce que moi il se trouve que je suis correct avec ce qu'on avait décidé, que cette partie-là était censée revenir à Broudaf. Maintenant si jamais il veut pas me laisser l'Alaska comme prévu Les Antilles, c'était à moi. À part ça, t'es correct. Exactement. Les Antilles, ouais. Les mais les Antilles, j'ai rien fait. J'avais une mission qui m'a envoyé là-bas. J'avais pas le choix. Oui. C'était pas à l'insu de ton plein gré. Exactement. À l'insu de mon plein gré. Il a même pas cliqué, quoi. Ça s'est cliqué tout seul. Moi, j'ai compensé la perte de la moitié des Antilles qui me revenait de droit par la cascadille de la France. C'est tout. Oui. Et bah, du coup, je vais les récupérer. C'est pas gênant. Le temps ouais, que. D'accord. Si tu gagnes, parce que si tu ça gagnes être... pas, tu perdras Cuba. Voilà, bah faites ça. Faites donc votre truc là, votre partage de gré ou de force. Je suis pas sûr d'avoir grand chose à craindre d'un pays qui a mis 150 ans pour se débarrasser de la Castille, quoi. Et encore, il a eu oui, besoin d'aide. Bah, moi, j'ai pas les bateaux propulsés par chevaux de l'ordre teutonique. Hein. Ils sont très bien, mes bateaux à cheval. Ouais, j'avais un allié plein de fric, mais aux paix douteuses. Ce que tu peux surtout dire, c'est que t'avais un allié plein de fric, mais que là, t'es un petit peu tout seul. Ouais. Mais maintenant, moi, j'ai du fric. C'est vrai, j'avoue, le Portugais m'a abandonné. C'est toi qui m'as abandonné. Non, c'est toi le méchant. Moi, j'ai jamais été méchant. J'ai toujours été gentil avec moi-même, déjà, pour commencer. Écoute, j'ai eu un event, enfin ça, j'ai vu un truc popper, Venise a dissous l'Alliance, donc... Ouais, on a vérifié, c'était bien automatique. Tiens, je viens de perdre une flotte entière. Comme ça, pour le fun. Ouais, bah j'ai encore voulu la faire traverser en dehors du canal de Suez, elle a fait le tour et ça s'est pas traversé en dehors des clous. Et bim quoi. Ouais. Terrible, terrible. On lui avait dit de regarder avant de traverser. Bon. J'ai trop de points militaires, qu'est-ce que je peux en faire? La drogue. Je suis vraiment à la ramasse là. Hein. Le fait qu'on joue à cette vitesse là, ça me met tellement dans le mal. Dans le mal, à quel sujet? Bah partout. J'ai perdu une flotte, j'ai perdu des armées. Ah oui, parce que ça va trop vite pour toi. J'ai pas le temps. Ouais, j'ai carrément pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Je comprends. J'avoue que je galère aussi un peu. Hein. Oh là 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 là. Et alors que les autres, ils ont rien à glander. Rigole. Oui. Voilà, c'est bien ça. Hop là. Hop là. On va faire ça. Bien. On a de l'avance. Hein. C'est quoi lui? Tiens, j'ai tapé des gens. Non. Mais où? Ah oui, non, putain. J'ai eu peur. Où et qui? Qui j'ai tapé? Alors déjà. Zut. Parce que j'ai gagné une bataille, mais déjà je ne sais même pas où. Tu ne sais même pas par là.
Comment ça, tu sais pas où était la bataille? Non, je sais pas, j'ai juste vu, ouais, vous avez remporté une bataille. Mais toutes les armées que je manipule là, elles sont pas sur un théâtre d'opération stratégique. Bah, c'est que c'est ailleurs. Alors, il devait y avoir un rebelle quelque part ou un truc du style, et puis. Sproch, quoi. Ouais, ça doit être ouais. Ça. Sproch ou Sproch, selon. Tu sais, je vois très bien place. le rebelle qui se soulève en plein milieu de l'ordre teutonique, là, en mode oui, libérons-nous. Puis là, t'as une armée qui passe dessus. Pardon, il paraît qu'on a gagné quelque chose. Dans deux secondes, c'est il va y avoir la Prusse a pris son indépendance. Là, on va entendre les mecs, on peut refaire un démarrage. Non, les armées que j'ai défoncées, c'était des armées d'ennemis classiques, hein, c'était des Coréens. Ah! Est-ce que ça compte vraiment, les Coréens? Ils sont classiques, quoi. Est-ce que c'est pas un petit peu trop classique? C'est du classique sans plus, tu vois, c'est du demi-classique. Ouais. Et hop. Pendant ce temps-là, je convertis, je convertis. Super. Allez. Ouais. Allez hop. Là, on va pouvoir rebondir, donc on va rappeler lui. Boing, boing. Boing, boing, exactement. Donc j'ai perdu une bataille. Ah oui, alors Arnarine, il gagne des batailles, il sait pas où, et toi tu les perds, tu sais pas où, quoi. Si, moi je sais où. À Séoul, peut-être. Voilà, je sais où. Mais c'est pas une obligation de tenter de concurrencer Katox, hein, Ardarine, hein, surtout. Mais je le concurrence pas, on est frère de Van. Oui, mais quand même. Non. C'est quand même pas une obligation. Ils sont frères de Van, d'accord. Ils viennent tous les deux de Bretagne. Katox, c'est un peu mon animal spirituel. Mmh. Bah, c'est le MJ, donc c'est du coup... C'est ton totem. C'est ça. C'est le MJ, donc c'est lui qui lead, quoi. Et il est très bon, la matière. Quand il a le temps. Vous ennuyez tant que ça sur votre partie, vous voulez pas en parler? Bah, je mets des baffes, je fais des sièges... J'ai envie de te dire tout va bien, quoi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle politique économique? De qui? Non, je sais pas. De la de France. Venise. De Venise. Vous voulez parler d'autre chose? Le Coréen, il a tellement les fois que ses armées restent en drapeau noir chez moi pour pas m'affronter. Ah bah, c'est une bonne idée. Tiens, la Venise m'a rivalisé. Comme c'est intéressant. Là... Du coup, on va terminer notre doctrine pour l'occasion, pour fêter ça. Et je vois que Venise n'a toujours pas retiré sa rivalité avec moi. Ah bah, elle m'a rivalisé aussi. Ah d'accord. Ah oui, il fallait que je te dérivalise. Ça va pas être possible, ça, j'ai pas le temps. Oui, mais je me doute que tu es affairé à bien d'autres choses. Ouais. On n'a jamais trop de réserves, exactement. Alors, 16 000 petits Coréens. Et si on allait leur dire bonjour? Alors, où est-ce qu'on peut placer cette armée? 44. Bon, et ben on les a stack wipés. C'est une bonne nouvelle, j'imagine. Je suis surpris. Surpris, carrément. Je sais pas. Oui, je ne m'attendais pas à un tel massacre. Tu arrives encore à être surpris par ce genre de choses. Il a des armées très fortes et ça le surprend. C'est ça. Il pensait que ses armées elles étaient plutôt mauvaises en fait. Désolé, l'autre jour, il y avait un petit stack de 65 000 Shen qu'on stack wipé 15 000 teutons. C'est qu'elles sont pas si bonnes que ça, mes armées. C'est clair. Ça fait longtemps que je me suis pas fait stack wipé.
Faut vraiment être teuton pour en arriver là. Faut être teubé, pas teuton. Faut être... Ah pardon, c'est pareil, non? Ah, c'est à peu près pareil, ouais. Oh, ça balance! Oh là là, comment ça pique! C'est tellement cadeau! Il nous tend des perches et des poutres, écoute, on les prend, hein. Alors, bien, maintenant que le coréen s'est un peu réglé. Allons dire bonjour à notre ami le Yui. Hop, c'est parti. Bon. Ah, bah j'ai oublié ça. Ah, bah ça va craindre ça, si je m'occupe pas de ça. Encore un truc que t'as oublié. Ouais, j'ai oublié un tout petit territoire minuscule qui, du coup, va probablement prendre son indépendance. Une petite île à la con. Comme j'ai perdu ma flotte, tu vois, ça synchronise bien. À Socotra ? Ouais. Bien, bien, bien. Le pape, non, du coup. Après, il y a quoi là-dedans ? Il y a deux bateaux, donc une seule petite armée devrait pouvoir suffire. Terrible histoire. Ça n'a pas suffi par contre. Ok, bah t'y vas. Ça en fret. Ensuite on prend ça, et là on est bien. Ouais, ça c'est dans la bonne zone. Normalement, j'ai presque plus de rebelles. Toi, tu y es presque, mais pas encore. Nous ne pouvons pas nous opposer au progrès. Ça, c'est un peu vrai. Et oui, tout à fait, tout à fait. Bien, je viens de mettre en déroute toute l'armée ennemie. Les états pontificaux. Ils pontifiquisent. Je croyais qu'ils restaient en drapeau noir. Ah non, c'est le Yue que j'ai défoncé. Ah. Ah oui, ça... Ça conquiert, ça conquiert. Non, ça conque demain. Ouais, pas hier. Ça serait mieux de le faire aujourd'hui, mais bon. Je suis... Alors, le Yann me demande la paix. Yann, est-ce que tu as des revendications sur les trucs sympathiques? Auquel cas, je te vassalise. Je suis affligé par cette blague. Je crois qu'il faut le dire. Non, il a des trucs chez moi. C'est pas intéressant, donc je vais lui claquer sa mouille. Bon, après, quand je vois que le Portugal, il n'arrive pas à se débarrasser des Aztèques... Il fait ce qu'il peut, le pauvre, ouais, ils sont super costauds. Ça donne quand même envie d'aller chercher gros, direct l'Alaska sans même m'emmerder, quoi. Pas de casus belli, on fonce dans le tas. J'avoue. Ouais. Tu pourrais être surpris. Ça m'étonnerait qu'il soit surpris. Par une envolée d'Aztèques. Tu vas me jeter des têtes d'Aztèques par-dessus les murailles. Ah, ça fait tellement Seigneur des Anneaux. Tiens, c'est vrai. Hein. Regarde si je fais une simulation pour voir. Ce serait monstrueux. Alors, on en est où, là? Oh, bah il y a des Coréens qui se sont dédraponoirisés. Je suis presque surpris de ne pas avoir de casus belli colonialisme en fait. Sur le Portugal en vrai. C'était inadmissible. La contre-réforme arrive à son terme. Ah. Bah voilà, c'est fini. Ça c'est fait.
Les gens disparaissent, et alors ? Pas important que les gens disparaissent. Coupé de la capitale, c'est toi qui coupes. Est-ce que je refais ma blague ? Non. C'est pas drôle. Bah après, tu peux demander l'avis des autres. Non. Le signe neutre, comme d'habitude. J'ai dit « eux ». Je pense que voilà. Ça, voilà, c'est une réponse... C'est une réponse qui s'entend. Ah oui, parce qu'on a des oreilles, hein, mais... Sinon, je trouve pas ça ouf, hein. Hein, c'est quoi, ça ? Ma dépendance ? Pourquoi la ça France serait ma dépendance, qui tente de faire des réseaux de diplomates chez moi, mais que dire ? Oh, c'est rien demandé pourtant. Fin du siège de Sion. Like a lion in Sion. Bref. Alors ici, on peut recruter là ? Non, on peut pas recruter là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi ici ? Un péon, ça sent très bien un péon. Toi, tu termines ou pas ? Allez, hop, après on légitimise. Parfait, c'est parti. Alors, hop. Ah, et là. Tac, tac, tac. Va-t-il pas me faire tomber le siège avant que j'arrive avec mes troupes ? Non, ça devrait le faire. Je vais leur mettre des baffes, je vais leur mettre des baffes. Ah, tu as l'air heureux de tous ces morts. Quel a des sens ? Mais c'est des païens, on s'en fout. Ah, si c'est des païens, alors... Hop là. C'est pas mal, ça. Allez, prends ma retraite. Tu prends ta retraite. Ah, et en plus, j'ai eu le bon goût de les stack wipe, tiens. 60 000 hommes en moins. Ouais, moi, quand je stack wipe, c'est un mec. En même temps, c'est pas tout à fait les mêmes adverses. Non, mais en fait, le truc, c'est que je les ai tapés deux fois et ils sont repliés sur un endroit où j'étais déjà. Donc, Kaboom ? Bah du coup ouais. Certains diraient même échec critique quoi. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Le Mexique perd sa guerre face aux Aztèques, attention. Il la perd pas, je suis à 40% de score de guerre. Bah moi le jeu me dit que le Mexique est à moins 5. Ouais, parce qu'il s'est pris quelques territoires dans la tronche, mais les Aztèques ils sont partout, ces enfoirés. Encore et toujours des excuses. Alors, hop. Hop, allez hop, on convertit. Autant que ça, ça se fasse. Eh ben chez moi c'est très calme. Et ben j'avoue que moi aussi je bouffe des petits trucs de ci de là. Allez, je vais faire une armée. 1000 hommes, ça devrait suffire pour défendre mon île. T'as réussi à trouver un mercenaire où il y a que 1000 hommes dedans ? Mais t'es plus Venise ? Non, j'ai pris ma retraite. Mon dieu. Quoi ? Je suis à OAU. OAU. Qu'est-ce qui... Quoi ? Je suis à OAU. Il est parti à Hawaï. Ouais. D'accord. Avec la caisse. D'accord.
Tu t'es pris une petite île pour moi. Ah, il est quand même dépendance de Venise. Ouais, tu parles, il me réclame rien. On a fait un accord. Ouais. Ah, on est bien sur cette île. Vainé, cocotier. N'hésitez pas à aller voir la vue des autres. Ouais, ouais, je vois ça. Mais pourquoi ? Ah, qu'est-ce que je suis bien là-bas. C'était très stressant, tu sais, de diriger un grand pays. Ouais, oui, est une dépendance de Venise qui le protégera. Bah, j'espère bien. Jusqu'à ce qu'elle l'intègre. C'est bien, c'est que dans 10 ans, elle t'intègre. Non, je te dis, on a un accord. Mais pourquoi ? La vraie question qui se pose quand même. Mais pourquoi pas ? On est bien ici. Il n'y a même pas de requin. Tu le dis. Il n'y a même pas de requin. Non, c'est vrai. Oh là là, 581 000 soldats, le Vénitien. Bah, ah bah putain. Ouais, il blague pas, hein. C'est intéressant de voir ce qui vont faire. Ah, il est dans la coalition contre l'ordre teutonique, du coup, le Vénitien. Ah oui. La violence. Par contre, avec ses 23 000 réserves... Ah, oh la vache, les troubles, je les vois augmenter en direct, bientôt 600 000. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici, au calme. Tu t'es mis le plus loin possible du moment où ça va péter, c'est ça. Non, il n'y a pas de quoi tu me parles. Je fais plus de politique, excuse-moi. C'est déjà la fin de l'épisode, c'est marrant, t'as 3 minutes d'avance, Ardarin. Non, c'est juste que je fais là. Iboud. Ça c'est qui ça? C'est un vassal. Oui, c'est un vassal, parfait. Hop. C'est sûr que le Portugais risquait pas d'avoir une coalition. Hein. Bah quoi? Je suis super étendu, moi. Bah de toute façon, il met 100 ans à faire ses guerres, alors forcément l'expansion agressive. Ah, il me reste 3000 points de gouvernement à dépenser. Alors, voyons ça. 3000 points de gouvernement. Ouais. Ah, il faut que j'attende la fin de la pause, c'est ça. T'inquiète. Voilà, non mais parce que mon casus belli popait pas. Rêve rompu. Ah zut. Moins 5 de stab. On va attendre un peu du coup. Terrible histoire. Ensuite. Ah, merci Venise. Elle partage ses connaissances avec moi. Ah, t'as quand même quelques belles doctrines, hein. Un petit peu de prestige. Et c'est un consul, le chef de la République. Tout à fait. Le consul Anna Lucaille. Un cas de réserve, un cas d'homme. Ouais, mais ça progresse à grande vitesse. 6 de corruption. T'as dévalué comme un sac pour avoir de la thune, là. Non, pas du tout. Je suis en train de baisser. C'est pas moi. J'ai hérité de ça. C'est des méchants. Hop. Je suis sûr que tous les viewers se demandent ce qu'a prévu Slan. Ben rien. Moi j'ai rien prévu. Juste regarder le pays vénitien nous déclarer une guerre monumentale. Il le fera ça, pas, c'est l'IA. Son problème, pas le mien. L'IA, on va la défoncer si elle fait ça. Ah, sauf qu'au moment de la guerre, je vais passer en vitesse 4. Faut bien équilibrer les chances. Pas grave, on mettra pause. Je peux l'enlever tant que je veux. Bah pas pendant les 30 premières secondes. Si, moi je peux. Ah le vol.
Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi il veut toujours créer le lobby? Flotte permanente, l'ordre teutonique. Le nom porte bien son truc. Est-ce que je dois augmenter ma capacité de gouvernance? Je suis pas sûr. Ça me paraît pas évident. Bah, je pense que tu vas pouvoir faire quand même un certain nombre d'états. Hein. Non. Allez, Vinland, grandis un peu. C'est quand déjà la prochaine institution? 750? Non, 1700. Ah, c'est joli ça. Ma rivalisé, teuton. Non, non, j'ai retiré la rivalité. Ah non, t'as dérivalisé, d'accord. J'avais pas eu le temps de lire, j'avais vu juste le... Il cherche des amis. Et rival. Ah bah, première loge pour se faire taper dessus par le... L'IA vénitienne. Si Venise l'a pas fait, il le fera pas. Ah... Venise, 600 000 hommes. La Goa teutonique, il y a qui dedans? Il ne va pas y avoir grand monde. Il y a personne. Aix-la-Chapelle, Autriche, Suisse, Venise, Ming et Constance. En gros, il n'y a personne. Il n'y a que Venise. N'attaquera pas. Alors, teutonique. Allez, j'accepte. Bande de trouillards. Bon. Vous êtes dégonflés. Trouillard. On a juste quelques petites idées. J'en peux plus, ça va trop vite. Ça va trop vite. Oui, t'as trop de choses à faire. Et puis en même temps, c'est la fin de l'épisode. Ça tombe plutôt bien, du donc, coup. Oui, plutôt bien. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve pour l'ultime et dernier épisode. À la prochaine fois. Ciao, ciao tout le monde. À plus tout le monde. Bye bye.